Bonjour tout le monde. Il y avait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et là, pour ce mois d'août 2020, j'avais envie de vous partager, avec vous un 6-8 que j'ai entendu dans un album. C'est l'album Holorum 1 avec Lazzaro Ross. Et ça doit être la cinquième piste, celle qui était pour Obatala. À peu près au milieu de la piste, il y a un accompagnement de Tumbadora que j'aime beaucoup, que j'ai repris. Voilà, il y a très très peu de choses, il n'y a pas de shakeré, il n'y a même pas de cloche avec, hein. Il y a un tout petit hochet avec, un hochet qui a un son un peu métallique, je n'ai pas trop bien identifié très exactement ce que c'était. Je vous invite à l'écouter, bien sûr. Et puis évidemment, étant donné que c'est sur un album, j'ai déduit les doigtés. Voilà, j'ai pas cherché midi à 14h. Techniquement, il n'y a pas de difficulté. Vraiment. Le chant dans l'album, c'est le passage où il chante à Kétéoba pour Obatala. Donc, la voici, la voilà, la tournerie. Donc en fait c'est très simple. Je vous dis comme j'ai pas vu les gens le faire, j'ai déduit qu'ils étaient dans le principe d'une main par tambour, sauf à un moment où il faut faire deux ouverts. Et donc là on revient. C'est-à-dire qu'en fait ça va faire déjà le premier coup de la clave. C'est une basse, paume, hein, comme vous voulez. Et ensuite on fait ça. Hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté en fait là. Ok? Première partie. Deuxième partie. La seule petite difficulté, elle est peut-être ici. Hein, c'est-à-dire qu'en fait là, on va faire deux étouffées. Hein, ok? Et ensuite, tout de suite après, on fait des ouverts. Hein. Je refais. Ok. Ensuite, deux ouverts. Ok. Donc, touche, paume. Ok. Paume à droite, paume à gauche. Et on se retrouve au début de notre rythme. Hein. Donc, ça fait en entier. Certain temps, mais il me semble que ma mémoire ne me fait pas défaut à ce niveau-là. Il fait pas de le percussionniste qui joue, il fait pas de variation. Hein, il n'y a pas de variation, il fait ça tout droit avec le chant, le petit hochet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. On va faire ça avec la clave maintenant. Hein. En fait, vous avez un. C'est bien si vous, par exemple, si vous le travaillez en chantant la clave, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, comme c'est techniquement pas très difficile, ça peut être sympa de s'entraîner à chanter dessus, soit la clave, soit carrément le chant, hein, pourquoi pas. Donc, mais en tout cas, pour ce qui est de la clave, la voici, la voilà. Hein. On est ici, de toute façon, quand on a les deux paumes ici, ça correspond à. Ça va faire. Bye.
Ok? C'est une vidéo qui se termine, elle est courte. Voilà, je vous ai montré un de mes rythmes préférés. J'aime beaucoup cette tonnerie, qui est très simple, mais pour moi, il y a tout dedans. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. J'oubliais, cette vidéo, c'est une spéciale dédicace à ma copine Cynthia. Elle s'en reconnaîtra. Zoubi, Cynthia. À très bientôt.